C'est dans la cour du lycée privé Moutimambou que s'est tenue la première journée socio-culturelle du lycée privé Moutimambou. Une journée axée sur les activités présentées par les différents clubs de cet établissement. Notre établissement compte désormais 105 plusieurs clubs, à savoir le club d'anglais, dont le nom officiel vous sera dévoilé au cours de la cérémonie. C'est donc avec un immense plaisir que nous accueillons ces clubs. Nous vous rassurons, monsieur le proviseur, que nous nous tiendrons bien et améliorons nos résultats scolaires. Je vous remercie. En présence des invités et des élèves, c'est le patron des lieux qui a ouvert les hostilités. L'école, en plus d'instruire et de qualifier, est un milieu de vie où les élèves interagissent et vivent plusieurs situations qui sont des occasions d'apprendre à vivre en société et de s'épanouir à travers les différentes activités extrascolaires. C'est dans ce cadre que le lycée privé Moutimambou, sous l'impulsion d'une grande dame, je vais citer Madame Sekemese Zoué Gloria, avec la collaboration de Monsieur le censeur, a décidé de créer les différents clubs et groupes d'apprentissage, d'épanouissement et de brassage de culture. Chers élèves, je vous exhorte à intégrer les différents clubs et groupes et surtout à faire preuve de sérieux car c'est dans ce creuset que les différents talents jusque-là cachés vont se dévoiler et se révéler plus tard à tout le Gabon et pourquoi pas au monde entier. Poésie, chant, démonstration, des gestes de premier secours et prestations de danse, tout a été présenté par les élèves qui ont promis de mettre à profit cette journée socio-culturelle qui se déroulera désormais tous les vendredis au sein de leur établissement.